Oh my god! On fait-tu vraiment ça aujourd'hui? C'est une journée vraiment spéciale pour moi. Aujourd'hui, je change de tête. Genre, pourquoi je suis autant stressée? C'est que j'ai jamais rien fait dans mes cheveux. Jamais. Pour être franche, j'ai l'impression que j'accorde trop d'importance à mes cheveux. C'est comme si je me définissais un peu par mes cheveux. Puis on dirait que je trouve que c'est une relation un peu malsaine dans ma vie. Ça fait longtemps que je me dis, crime, je pourrais changer de tête, je pourrais les couper un peu, puis j'ose pas le faire parce que j'ai l'impression que c'est comme si mes cheveux c'était moi. Tandis que c'est pas ça, tu sais. Hier, je parlais avec Cédric, puis tu sais, je disais, mettons, tu vas-tu m'aimer même si mes cheveux c'est laid, ou tu vas-tu m'aimer même si je suis différente? Puis il était comme, ben voyons, Cass, dis-moi, j'aime pas tes cheveux, dis-moi, j'aime toi, tu sais. On dirait, ça m'a comme shaky. C'est vrai, dans le fond, tu sais, je veux dire, les gens, ils nous aiment pas pour quelque chose de notre corps, tu sais. Les gens, ils nous aiment pour notre entièreté. Puis ouais, je pense qu'il est temps juste que j'arrête d'accorder autant d'importance à mes cheveux, puis que je réalise que c'est pas mes cheveux qui me définissent dans la vie. Fait que ça fait environ 4 ans que je suis Max Gourg. Gourg. Ah, je m'excuse, mon chum, je vais massacrer ton nom, j'ai tout le temps de la misère à le dire. Je te trouve ultra, ultra talentueux. Puis je me suis toujours dit, honnêtement, le jour où est-ce que je vais me sentir prête, je vais avoir envie d'un gros changement, je vais demander à Max. Puis à chaque année, c'est un running gag, moi, puis lui, parce qu'à chaque année, il me relance. Puis il est comme, bon, c'est cette année qu'on fait tes cheveux? Puis je suis comme, oui! Puis 2 semaines plus tard, je suis comme, non! Je choke tout le temps. Et là, je trouve qu'après l'année qu'on a vécue et les grosses épreuves, 2020, calice de marde, il est plus que temps que je mette derrière moi cette étape de vie, puis j'ai vraiment un appel au changement. Vraiment, parce que je suis vraiment, vraiment stressée. Je suis vraiment stressée. Genre, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis vraiment stressée. Je capote un peu. Je pense juste qu'il faudrait dans la vie arrêter d'accorder autant d'importance à des choses qui en ont pas tant au fond, tu sais. Tu sais, Cédric hier, il me disait, tu sais, Cass, mettons que tu te raserais les cheveux, là, je t'aimerais autant, tu sais. J'aimerais pas moins. Fait que c'est ça. J'ai envie de le ressentir aussi de moi. J'ai envie de ressentir que je m'aime pas à cause de mes cheveux ou à cause de mes vêtements ou à cause de la manière que je me maquille ou de mon corps, de mon visage, de mon sourire. Je veux vraiment m'aimer juste moi. Peu importe comment je suis. Puis aussi, tu sais, on vieillit, puis notre corps va changer, on va tout le temps changer, puis je pense que c'est bon d'accepter le changement dans notre vie, puis de ne pas s'associer à quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de changer, de transformation. Fait que là, c'est comme la dernière fois que vous me voyez avec mes longs cheveux, genre... Là, 2020, là, nous a fait chier en tabarnak. Puis il est plus que temps qu'on prenne des décisions pour nous qui vont nous faire du bien. Puis je pense que c'est ça que je fais aujourd'hui. Je pense vraiment que de changer de tête, ça va juste me faire du bien. Ça va me permettre de me voir différemment, de me sentir coquette, je présume. En fait, je sais pas, je l'ai jamais fait. Je sais qu'on parle juste d'une transformation de cheveux, genre je me prends pour Gandhi, c'est que mes phrases full cute. Là. 2020 nous a assez fait chier, c'est il est temps qu'on se coupe les cheveux. C'est ça que je veux dire. Mais dans le sens où, comme, Chris, on s'est tellement fait chier en 2020, on peut-tu juste un peu penser à soi, puis faire des trucs qui nous font plaisir, peu importe c'est quoi. Puis moi aujourd'hui, ben ça va être là, que ce qui me ferait plaisir, c'est changer de tête. Fait que, elle vous ferait la gang, vous amène avec moi, on s'en va. Oh, transformation de mes cheveux. Oh non. J'ai peur de regretter. On s'en calise que tu le regrettes, c'est pas grave. C'est juste des cheveux, ma chum, ok? No regrets, ok? On fonce, on y va, c'est parti. Je me suis dit que si je me maquillais, c'était sûr que mes cheveux ça allait être beau, peu importe comment qu'ils allaient être. Ce qui fait aucun sens. Je suis maquillée, je suis prête à partir. J'ai une calice de boule dans l'estomac. Je sais pas si c'est le stress ou vraiment une calice d'envie de chier. C'est possible que ce soit les deux, remarque bien. Fait que croisons les doigts pour pas que j'aie une diarrhée quand j'arrive au salon à Max parce que maintenant je l'ai jamais rencontré le dude. J'aimerais ça faire bonne impression. Je suis stressée mais j'ai hâte. Je pense que c'est un bon stress. J'ai choisi Cass pour toi. J'ai le goût de pas dire genre on va ce qu'on va faire. Ça va être une surprise. Je veux voir comment ton cheveu réagit aussi. Ok. Mais j'ai une idée de ce que je vais faire. Ah ouais? Je te le dis pas. Je pense qu'on va t'en venir à la fin que tout va être fait. Carte blanche, je te fais confiance. T'es en train de bonne main. Hey gars, je suis en train d'enjoy mes dernières minutes avec mes cheveux naturels. Bye Cassandra, où je fais naturel, plate et boring. Les gars, quand ils m'ont barbé, ils m'ont dit, on sait pas tes vestiges de cheveux morts. Je sais pas, les gars, aidez-moi. Thank you.
gars de la gang. C'est des bébés cheveux. J'ai un bébé tout fait. Oh my god, je suis back chez moi. Oh my god, je me reconnais pas. On dirait que je suis genre moi, mais chicks, genre. Je me sens comme si j'étais rendue une petite madame. Je me sens une petite madame sexy, genre. Je veux juste dire un gros merci à Max. Ça faisait des années qu'on avait envie que je change de tête, puis que j'étais pas game, puis là, ben tabarnak, enfin j'ai été game. Et par chance pour moi, parce que je me suis jamais trouvée autant belle. Genre, écrivez dans les commentaires si vous trouvez que je suis belle avec mes nouveaux cheveux. Ben, ou que je suis pas belle, mais que j'ai des beaux cheveux. Comme vous voulez. Ah, vraiment que vous allez dire que ça me va mieux, cette couple-là, que mon ancienne, parce que c'est un petit peu difficile de revenir en arrière. Hein? Je suis un peu déçue, tu veux dire. Mais l'important, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que moi, je pense. Puis, ben, moi, je me sens vraiment belle. Fait que c'est ça, je suis bien contente. On dirait que je suis comme gênée de dire que je me sens belle avec lui. Ça sent tabarnak, j'ai le droit de me sentir belle. Ok, je vais appeler ma mère en FaceTime pour voir qu'est-ce qu'elle pense de mes cheveux. Est-ce que tu remarques quelque chose de nouveau? Ben oui, tes cheveux! Oui! T'as mis des mèches dedans? Oui! T'es pas belle, l'image est pas belle, pas d'autre. T'es pas belle, maman, t'es dans ma vidéo! Ma mère a dit que je suis pas belle! Ben non, je veux dire, l'image est pas belle! Oh, t'es donc bien belle! Ah oui, tu me trouves belle? Oui! Ouh! Ok, fait que là, il me reste juste un truc à faire, c'est d'aller montrer ma tête à Cédric en espérant qu'il aime ça. Parce que s'il aime pas ça, ben ça va être triste parce qu'au fond, c'est surtout à lui que je veux plaire, tu veux dire. À lui et à moi. Fait que je m'en vais montrer ma tête à Céd et à Paul, puis j'ai hâte de voir leur réaction. J'espère qu'ils vont me trouver belle. C'est parti! Je suis quand même stressée. Ah ouais? Ouais. Oh shit! Oh shit! Oh, shit! Tabarnak, ouais, t'es chaud! T'es chaud! Avoue, comment ça me change? Tabarnak! Tu te trouves belle? Ouais, vraiment? Oui? Ouais? Non, mais pour vrai, ouais. Je vais dire non, hein, ce serait pas grave. Non. Non? Non. Paul, tu veux-tu? Tu veux-tu lui donner un break? Fait que, est-ce que t'aimes la new me? Ouais, j'aime ta new toy. J'aime ta new toy. Tu me trouves jolie? Ouais, mais je te trouve tout le temps jolie, je l'ai dit. Tu serais chaude si je te trouverais belle. Merci de dire que je suis belle. C'est beau. Oui, tu trouves ça beau? C'est vraiment beau. Regarde comment cette couette-là est rendue courte. Regarde. Oh shit, ça c'est pas beau. Mais le reste est vraiment là. T'aimes pas ma couette courte? Non, non, non. Non? C'est pas vrai. Ah, t'es vraiment hot. Ok, merci, bye bye.